Nouvelle partie, j'ai jamais joué les mecs. C'est quoi comme jeu? Waouh. Il a crash le jeu? Il a crash. C'est quoi les mecs? C'est mon magasin à moi ça? J'ai 50 euros. Faut que je fasse quoi? Oh! Faut que je commande des produits. On achète quoi? Que des chocs à pic. J'achète que des chocs à pic les mecs. Merde, je peux pas. Je peux acheter que pour 50. 35 balles un choc à pic. Ils sont mes chocs à pic. Oh, j'ai reçu les chocs à pic. Oh! Oh les mecs! Ils sont les clients! On vend des chocs à pic! Venez me prendre des chocs à pic chez nous! Venez prendre des chocs à pic, on vend des chocs à pic! Macron? C'est quoi ça? Fixer le prix du produit! Ah! Faut que je fixe le prix du produit! On met combien pour les chocs à pic? Attendez, je vais mettre un prix. En vrai, c'est raisonnable, dites-moi si ça passe. Ça passe! En vrai, ça va! On va regarder, on a notre premier client! Comment ça c'est trop cher? M'en bats les couilles, je laisse. Baisse le prix. Très très bien le prix. Bon ok, vas-y. Vas-y, allez, je fais le bon. T'es homme, je fais le bon. 50 euros, ça va. Céréales. Vous avez un snap, madame? Trop cher, sale pute, va. C'est pas ce que j'ai vu sur le site, hein. Pour 100 euros, tu faisais tout. Viens, je vends des céréales. Monsieur, des céréales, ils sont super bons, les céréales. C'est trop cher de quoi? C'est trop cher de quoi? Vous êtes des fous ou quoi? C'est super bon les chocs à pic! C'est bon pour la santé! Vas-y les mecs, je mets 5 euros, vas-y. Peut-être j'ai un peu abusé, vas-y. 5 euros, normalement, c'est bon. Hein. C'est rien, choc à pic! 5 euros, 5 euros, choc à pic! 5 euros, choc à pic! 5 euros, choc à pic! Merde, j'ai perdu mon magasin, les mecs! Vous marchez comment? Vous avez pété un câble ou quoi? Marchez normalement, les mecs, vous avez des chocs à pic dans le cul ou quoi? Eh! Je vais changer de métier, hein. Si j'ai des clients comme ça tous les jours. Regardez la masterclass que je vais faire. Regardez la masterclass que je vais faire. Madame, je vais vous mettre le prix du... Mais comment je change le prix, là? Attendez, c'est pas ça, le prix. Bon, je peux pas changer le prix. Attends, je vais changer après. J'ai une idée de fou. Merci, madame. Rentrez chez vous. Monnaie insuffisante. C'est mort, c'est pas de monnaie. T'es une baisée ou quoi? Faut que je lui donne combien? Elle m'a donné quoi? Elle m'a donné 95 balles, là. Tête d'homme, je donne rien. Ha. Baisez-vous. 95 balles, ça y est, je ferme la boutique, frère. Je suis refait, les mecs. Bon, vas-y, le script du jeu, il veut pas trop, en vrai, de vrai. Faut que je lui rende combien? 50? 20? Je lui donne 100 euros? Mais je me fais baisser si je lui donne 100 euros, là. Les mecs, elle m'a scam, non? Votre carte bancaire, vous avez confiance, hein? Entrez le montant exact. Vous êtes charmante, madame. Je vais vous mettre le montant. J'avais pas assez de place pour le numéro de téléphone. Je vous donne la suite. Donc 06 54 12 36 18. Allez! Les mecs, c'est la masterclass. Je vais donner mon hum en prix. Si elle m'ajoute pas sur Snap. Deux chocs à pic! Eh ben, monsieur, ça y va, hein. Hey! Où tu vas, toi? Suivant. Oulala, là, monsieur, vous êtes de quelle origine? Marocain? 45 euros? Faut que je lui donne combien? C'est bon, 40, non? Ah non, la rendue du monnaie, c'est 45. Ah ouais. Bonsoir, monsieur. 10 euros, mais j'ai rien de vous en rendre, cassez-vous! Madame, c'est le même prix pour tout le monde, madame! Vous chipotez pour 200 euros? Tanguy David! Qu'est-ce que vous faites là? Oh, sa vie! Tanguy David, la politique, être politicien, sa vie! Sale, sale, sale! Let's go, les mecs! On s'est fait 67 euros, les mecs! Putain, je crois que je vais devenir dealer, c'est mieux, hein! 67 balles, et tous ces chocs à pic, c'est pas rentable, hein! Encaissez les clients! Quoi? Faut que j'encaisse les clients? Excusez-moi madame, il faut que je vous encaisse madame. Ça marche pas les mecs. Ah! Encaisser! Moi je pensais encaisser, genre t'encaisses des coups. Bon les mecs, on prend quoi? On vend quoi? Des pâtes? De l'huile? Qu'est-ce qu'on achète? Est-ce que je prends du sucre en poudre? Ça se vend combien les pâtes? 99 centimes. C'est pas cher 99 centimes les mecs. Eh les céréales ça se vend cher les mecs. Hein. Vous savez quoi? Je vais acheter que de la farine. Let's go! Bande de cons, va. Vous êtes des PNJ ou quoi? Bande de clochards, bien sûr qu'il y a rien, tu vois. T'es obligé de rentrer à l'intérieur pour regarder. Oh! Faut que je mette tout en rayon! Ok. Oh! Mais les mecs, les rayons, ils vont être pleins! Vous voulez pas de farine, madame? Oh là là! Oh ouais. Putain, y'a pas quelqu'un qui peut m'aider? Excusez-moi, madame, vous pouvez pas m'aider à mettre en rayon les sacs de farine? Bah, vous allez attendre alors. Ça vous fait rien de me voir galérer, vous voulez pas m'aider? Mais aidez-moi!
Mais le mec, je suis beau gosse ou quoi dans le jeu, frère? Oh, merde, le prix! Eh, c'est pas gratuit! Putain, j'ai pas fixé le prix! On va voir s'ils vont rester. 1000 euros, allez. Vous voulez. Le mec! Oh, le cheat code que j'ai trouvé! Ils sont encore là, hein! Non, je suis trop fort. Vous voulez vraiment les payer, les. C'est 1000 balles, hein! Quoi? Non! J'ai mis 1000 euros! Putain, ça marche pas. Ok, je le change. Je vais mettre 3 euros. Ici, c'est le magasin le plus cher. Le prix du marché, 3,71€. Je vais mettre 3 euros. 3,72€. C'est le magasin le plus cher ici. On va monopoliser le Monopoly. Donnez-moi ça, madame. Donnez-moi votre carte, madame. Madame, vous êtes vierge? Comment ça, c'est quoi cette question? C'est une question comme une autre. J'essaie de. D'avoir de la relation avec mes clients. Vous n'êtes pas content, vous cassez. Madame. Gougou gaga, madame. Gougou gaga, madame. Smash! Smash! Ils ont tous payé avec la carte aujourd'hui. Ça, c'est nickel. Elle est où mon argent là? Terminé la journée. On a fait un bénéf de 9 euros! 9 euros en une journée, on a fait un bénéf. J'ai jamais fait autant de bénéf de ma vie. Ok, les mecs! Another day, another victory for the OG. Take down sweat. The imposter is among us. Venez, c'est ouvert. On peut pas se voir à travers une glace, les mecs? J'aimerais tellement voir à quoi je ressemble. Je dois être vraiment beau gosse pour attirer autant de clients, hein. No joke. Allez, ici, monsieur, on a plein de paquets de farine. Monsieur, le prix a changé. Le prix vient de changer. J'ai eu un appel de... qui vient de là-haut. Tous les prix ont augmenté. C'est un euro, c'est un euro. Le prix vient de baisser, madame. Le prix vient... Madame! Mais je viens de baisser le prix pour vous! Raciste de quoi? Je suis pas raciste, c'est le même prix pour tout le monde. Vous savez quoi? Nique sa mère, moi j'aime bien les chiffres ronds. On va mettre 4 euros, frère. Bonsoir, monsieur, la farine. Dis-moi ça. Quoi? Je parais suspect de quoi? Vous insinuez quoi? Que je suis raciste? Je suis pas raciste! Madame, un peu de sourire aux lèvres. 2 euros? Mais vous êtes donc baisé, vous, vas-y, cassez-vous, la tête d'homme! 2 euros, c'est 4 euros, madame, hein! Vous croyez que vous allez me baiser comme ça, moi? Barrez-vous de là! On peut pas apprendre! Hop, allez hop, vous voulez baiser? Bah moi je vous baise maintenant, c'est bon ou pas? On va voir maintenant si vous allez faire tout le chemin pour venir récupérer votre commande, madame. Ici c'est 4 euros, vous mettez 2 euros. On va voir maintenant c'est qui va baiser qui. Venez la chercher votre commande, madame, venez la chercher. Ah, ils ont remis ma caisse dans la boîte. On m'a fait du scroll. Qui m'a fait de la magie noire? Oh, je replace, voilà, madame, c'est beaucoup plus sain. C'est pas 2 euros! Elle me baisse, les mecs, sérieux, frère! C'est pas censé se passer comme ça, hein! Putain! Ah! Couche-toi, lui rends 8 euros là! Bah, vas-y, je lui rends ma dignité aussi! Je suis vraiment désolé, madame! Je suis pas raciste, certes, la personne d'avant a payé moins cher, mais elle m'a juste baisé, elle m'a juste cam! Écoutez, c'est 8 euros, elle en a payé 2, c'est comme ça, c'est la vie! Les prix montent, les prix baissent! Oh, Robin! Robin! Robin dans One Piece! Pourquoi vous me présentez vos dollars comme si vous étiez rappeur, madame? Présentez-les-moi normal! Vous êtes juste raciste! Eh, t'es sûr que tu veux acheter que le paquet de farine? Tu peux m'acheter moi si tu veux, gratuitement, les soldes. De toute façon, t'es chum, sale pute. Oh, elle m'a donné 100 balles! 100 balles! C'est un IRS! Mais oui! Je te pensais plus belle quand même, hein. Mais t'es Géchard un peu. Sarkozy? 8 euros! C'est bon, au revoir! Madame, la carte, 4 euros. Oh, il y a 15 euros qui changent. Monsieur. Lâchez ma main, monsieur, vous faites quoi? Ah, au voleur. Ah, monsieur, 1 euro, non, monsieur, c'est 4 euros pour tout le monde. Bonsoir, Lémi Black, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes sûr c'est pas plutôt de la cocaïne que vous voulez? Many men, it's time for morning. Je connais les Men in Black, mon fils était fan. Monsieur, le sourire. Ah, je suis content d'acheter de la farine aujourd'hui. Vous croyez ça me donne envie de revenir au travail? Vous souriez jamais ici. Eh, hey, y'en a pas mal qui veulent de la farine quand même, hein. C'est une dinguerie les mecs, hein. Eh là, on fait une journée rentable de fou, hein. Regardez tous les pots de farine qu'ils achètent. Les gars, je suis pas raciste. Le prochain qui dira que je suis raciste, il est ban. Tapez 1 si vous pensez que je suis raciste. Tous ceux qui tapent 1 sont ban. Pourquoi y'a tout le chat qui tape 1, les mecs? Achetez une licence de produit sur votre ordinateur. Oh, une licence de produit? Comment j'achète une licence? C'est quoi, c'est gestion? Oh,
200 balles, mais j'ai passé! Je peux pas faire un prêt? Je vous donne ma dignité, vous me donnez 100 euros. Ah, mais les gars, vous tapez encore un! C'est bon, c'est fini là! Arrêtez de taper un, les mecs! En vrai, y'a encore pas mal de paquets de farine, hein. On va s'acheter une étagère. Qu'est-ce qu'on s'achète? On s'achète quoi? 200 balles, j'ai même pas assez. Les mecs, moi, je vais reprendre des chocs à pic, hein. Je pense que je vais reprendre des chocs à pic, les mecs, pour de vrai. On se prend deux boîtes de chocs à pic. Ok, j'ai fini la journée. Arrêtez de taper un, putain! Ça fait 10 minutes, vous tapez un là! Nouvelle journée! Another day! Another dollar! Venez dans mon magasin, les mecs. Bonsoir, madame, madame. Ici, on vend des chocs à pic, madame. On vend de la farine, madame. Venez, venez, madame. Pourquoi personne veut? 4 euros, ça va. Les gars, il y a pire. Hein. Moi, je vais acheter mes chocs à pic. J'achète une boîte de chocs à pic. Une seule. C'est pas mal, en vrai. À combien je mets les chocs à pic? La vie de ma mère, jamais vu ça. Vous tapez encore un, là? Vous êtes en Imoton Lee? Madame, j'ai pas mis encore le prix. Bon, Anéari, ça va, ça passe pour toi. On va mettre ça à 6 euros, les mecs. 6 euros. Mais attendez, j'ai pas mis le prix. 6,30€. Monsieur, oh voilà, monsieur Mentalo! T'as pris un coup de vieux, Mentalo, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de taper un, les mecs. Arrêtez de taper un dans le chat. Neris? Oh, Neris! 3 paquets de chocapix! 35 balles, je dois lui rendre! C'est le prix d'une pipe, hein. Enfin! Quelqu'un qui prend deux choses différentes! Merci, monsieur! Comment ça, monsieur, je vends toujours la même chose? C'est faux! Madame, monsieur, je vais pas vous faire de cadeau. Je rends à la monnaie. Vous aimez bien les chocapix, monsieur? Ça fait plaisir de voir des gens qui achètent des chocapix. Vous pensez que le prix est comment, monsieur? En vrai de vrai, il est correct, non? Mais levez la tête! Regardez-moi, je suis si immense que ça! Monsieur? Le clear! Mais arrêtez! Arrêtez! Stoppez-vous! Les mecs, je vends plus tant que vous arrêtez pas. Ok, les mecs, mettez le chat en sub-only, s'il vous plaît. Vous allez subber, on va voir. C'est déjà fait. Quoi? Ah, c'est mes subs qui mettent un depuis tout à l'heure! Les mecs, faut que je fasse confiance à qui alors si même mes subs ils me respectent pas? Bon, les mecs, vous savez quoi, les mecs? Chut! Hop, vous endormez là, quand vous allez vous réveiller, vous allez sub un maximum, vous allez prendre la carte de toutes les personnes que vous connaissez, vous allez sub un maximum, vous allez sub, vous allez sub, vous allez sub, vous allez sub jusqu'à ne plus pouvoir sub, vous allez sub jusqu'à que la plateforme Twitch bug de sub, et là vous allez réveiller dans 3, 2, 1, chut, vous réveillez, là vous subez, là vous subez. Madame, 14 euros! Vous en avez de l'argent, vous travaillez dans quoi, madame? Bonjour, monsieur! 96 euros, monsieur! Je vais vous rendre vos 96 euros, monsieur, y'a pas de problème. Bonne journée! Monsieur, je vous ai rendu vos 96 euros, monsieur! Vous faites attendre toute la queue derrière! Je vous ai rendu vos 96 euros, vous savez pas compter? Excusez-moi, j'ai oublié un euro. Repartez si vous voulez pas d'ennui. Oh, y'a du monde! Non! Non! Je veux pas lui rendre autant! Comment j'annule? Non! Monsieur, je me suis trompé! Non! Je vous avais 200 euros, monsieur! Rendez-moi! Écoutez, monsieur, j'ai passé une très mauvaise journée, monsieur! Très mauvaise journée! Faites vite, plus vite! Putain, j'ai tout perdu ma thune, non! J'avais 200 balles! J'avais 200 balles, madame! 200 euros! Comment je vais faire? Mais le mec, y a tellement de gens qui veulent de la farine en ce moment! Putain! Mais j'ai tout perdu, j'ai même plus envie de travailler, là! Je vous ai glissé un petit numéro. J'ai fini ma journée, les mecs! Je vais augmenter le prix, hein! On m'a baisé, on va voir c'est qui va baiser qui, maintenant. J'augmente le prix, j'en ai rien à foutre. Je vais acheter du sucre en poudre. Sucre en poudre, sucre en poudre. Ça se trouve, les mecs, je sais que les gens, ils adorent le sucre. Parce que c'est sucré. Qui n'aime pas le sucre? Vous êtes plutôt salé ou sucré, les mecs? Tapez 1 si vous êtes salé, tapez 2 si vous êtes sucré. 2, les mecs, sucré, c'est mieux, en vrai. Ah non, j'avoue salé, j'avoue un bon burger, là. Ah, excusez-moi, c'est vrai que salé, c'est quand même mieux, en vrai. J'ouvre la boutique. C'est ouvert! Le prix, merde! C'est fermé! 4 euros le prix du marché? 6 euros. On m'a baisé, je vais vous baiser maintenant. Venez! Très bon choix, monsieur. Le prix en plus. Franchement, monsieur, en ce moment, c'est les soldes. On a fait gentil sur ce coup-là. Le prix est plus que raisonnable, vous êtes pas d'accord? Merci, madame. Vous faites un très bon choix, madame. 10 euros. C'est limite gratuit à ce prix-là. Oh, vous êtes jumeaux? C'est mignon. Vous prenez la même chose en plus? Sucre en poudre, trop cher pour moi. Sale p... Bah allez, bah casse-toi de mon magasin alors, je n'ai pas trouvé de choc à pic. Allez, casse-toi d'ici, frère. Oh là là, comment je les arnaque, c'est tellement plaisant. Venez les mecs, c'est pas cher, putain. Qui c'est qui a dit à tout le monde que c'était cher, là? Madame, vous vous trompez de chemin, madame, c'est ici qu'il faut y aller. Vous allez les regretter. Faites attention, je sais que vous avez 3 enfants. Un client attend. Oui, bah attendez, monsieur, vous pouvez aller attendre encore un peu plus longtemps. Deux sucres en poudre, et bah dis donc. Emmanuel Macron, sa vie, hein. 12 euros, merci beaucoup.
94 euros. Vous m'avez donné 94 euros en monnaie. Suivant. Madame, vous faites attendre tout le monde là. Comment j'enlève les mecs? S'il vous plaît, dites-moi comment j'enlève. Non, oh, comment j'enlève? Madame, c'est mort, je vous donnerai pas 111 euros. Ah! Monsieur, c'est quoi ce t-shirt de merde? Allez vous faire enculer, allez vous acheter des t-shirts au lieu de vous acheter des sucres en poudre. Marine Le Pen? C'est quoi? C'est le magasin des politiciens? Qu'est-ce qui se passe là? Je n'ai pas trouvé Ron's pain de mie. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Il y a 1 million de magasins! Sucre en poudre trop cher. T'as qu'à arrêter d'être pauvre si c'est le magasin des riches ici. Oh! Allez, allez, m'arrête, parfait. Madame, si je vous donne 200 euros, on... Ça arrange. Misogyne de quoi, misogyne? Bah, cassez-vous alors, si vous voulez pas. C'est mon numéro de téléphone. Je n'ai pas trouvé de Panzani Pat. Elle a pas trouvé. Demain, on achète des Panzani Pat demain. Comment vous pouvez être aussi confiant de me donner autant d'argent? Je pourrais vous le voler, monsieur. Vous êtes au courant ou pas? Écoutez. Annie Harris, t'as fait de la chirurgie esthétique? Allez! De choc à pixel, j'en ai rien à foutre! Ça va bien, monsieur? Je vous dérange pas trop? Complotiste de merde! On est très sympathique dans cette boutique, monsieur! On a le sourire relève tous les jours! Panzani Pat, j'en ai rien à foutre, c'est pas pour vous que je vais les mettre les Panzani Pat. Hein. Ah! Une belle journée qui se finit, les mecs! Alors? Oh, j'ai 200 euros, je peux m'acheter là! Je peux m'acheter la licence! Yes! J'ai la licence! J'ai débloqué quoi? Oh. Du lait! Il me faut du lait! Il me faut du lait! On démarre la journée! C'est ouvert! C'est ouvert! Venez, c'est ouvert! Achetez un réfrigérateur ou une étagère! Ah! Très bon choix de boutique, monsieur! Très bon choix de boutique, monsieur! C'est la meilleure boutique du village! Allez, hop! Nouvelle stratégie de magasin. On met à l'entrée. Juste ils passent la porte, ils peuvent prendre leur article. Les gars, ça c'est de la stratégie de commercial. Hein. Stratégie commerciale de fou. Full box. Full piece. Moins 200. Crac. Putain les mecs, faut que je change de méta. Je vais la remettre, c'était bien en vrai comme ça. Eh eh. Je peux la mettre là ou pas? Bah ouais, c'est parfait. Ils vont faire la queue? J'ai bien envie de savoir. Ils vont faire la queue comment? Change d'endroit. Venez, venez. Et non, je rechange d'endroit. Et non, je rechange d'endroit. Et non. Deux paquets de sucre. Merci pour l'argent. Bonne journée. Oh là là. Mais elle est où l'autre? Putain, mais ouais, je vends pas de pâtes. Oh, j'aimerais tellement qu'ils reviennent. Madame, monsieur, vous la connaissez ou pas, celle de hier? Bah non, vous étiez pas là. Bah forcément, vous servez à quoi dans la vie, monsieur, à part mettre des costards? Monsieur, regardez-moi dans les yeux quand vous me donnez votre carte, vous regardez en l'air comme ça. Vous croyez que je vole? Vous êtes complètement con, quoi. Je pourrais vous arnaquer que vous n'y voiriez que du feu. Bonsoir. Les prix ont changé. Ça marche pas. Ça marche pas quand je monte le prix. It's time for morning, many men. It's time for morning. Les gars, arrêtez de mettre un, putain, je suis pas raciste. Madame, vous êtes venu chercher quoi? L'étagère, il s'est fermé le magasin, là. Le sucre en poudre est trop cher pour moi. Bah, tu maigriras plus, tant mieux. Le sucre, ça fait grossir. Comme quoi, parfois, être pauvre a ses avantages. Une belle journée qui se finit aujourd'hui, hein. Ah, un nouveau client. Excusez-moi, j'ai rien dit. 6 euros. Bonne journée. Excusez-moi madame, j'ai un appel. Allô? J'ai un appel, c'est le fournisseur. Oui? Attendez, je vous entends mal. Oui, allô? Mm-hmm. D'accord. Tu montes le prix du coup au niveau... On passe de 2 euros à 3 euros sur la fourniture, d'accord? Très bien. Ah! Excusez-moi. J'avais un chien, il est mort il y a pas longtemps et on s'amusait à aboyer entre nous. C'est un réflexe, ça m'arrive tout le temps. De bourrelet lait? Bah madame, vous avez pas besoin de lait. Vu les cheats.
Excusez-moi pour la blague. Excusez-moi les mecs. On n'a pas le droit de rire. Mais franchement les mecs, j'ai pas raison. C'est un mariage ton shop. La tête d'homme. En euros, sucre en poudre, pas cher. 6 euros, monsieur. Bonne journée à vous, monsieur. Passez une agréable soirée, je n'ai pas trouvé de bourrelet lait. Faut que j'achète du lait.